Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com. Alors pour cette partie de la vidéo, je voulais montrer comment j'avais construit le son final du morceau Van. Son qui est un petit peu particulier où j'utilise différents octaveurs et des délais à la basse. Alors le son de base du morceau, c'était vraiment un son octavier très, comment dire, très un peu boueux, un peu synthétique, où j'ai complètement coupé le son clean de la basse. Donc le son clean de la basse, ça donne ça. Avec l'octaveur. Ok, donc là j'utilise en l'occurrence un MXR, mais je ne suis pas sûr que ce soit avec celui-là que j'ai enregistré. Ça doit être soit le Boss OC2, soit le Freelief Audio Tim Lefebvre, je ne sais plus exactement lequel j'ai utilisé, mais ils font tous à peu près le même son, donc voilà, c'est pareil. Et ensuite, avec le Stomp, j'ai utilisé du coup un délai et un octave plus 1. Donc où l'octave plus 1 ne s'applique que sur les répétitions du délai. Donc c'est-à-dire que je vais avoir mon son de basse avec l'octave moins 1, et cet octaveur va passer dans un octave plus 1, donc au final ça va faire le même octave que je joue, mais avec un grain très particulier, et ce grain-là, du coup, va être traité par le délai. Donc si je mets les choses une par une, on a du coup l'octaveur. Ensuite, je vais mettre le délai. Voilà, c'est un délai assez avec un grain un peu particulier que j'ai trouvé sur le stomp que j'aime bien. Et on va rajouter l'octave plus 1, non mais qui est même un octave plus 2 octaves, pardon. Et avec ça, ça m'a du coup donné une idée de ligne de basse. Voilà, ce qui est très intéressant avec ce type de son, c'est que les répétitions assez longues vont se mélanger pour créer des harmonies. Et du coup, je joue à la fois et le rôle de basse avec cette octave dans le grave qui va faire un tapis de sub, et aussi un rôle un peu de guitare ou de synthé avec ces répétitions dans les aigus qui vont créer des accords et des harmonies. Et ça, ça se trouve sur la fin du morceau Van, qui est le deuxième titre de mon EP Second Floor. Voilà, c'est Antonin Rubata. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une nouvelle interview depuis le showroom intergalactique. Je suis avec Antonin Rubata, j'essaie de ne pas me tromper dans le nom et dans le prénom. Antonin, comment est-ce que ça va bien déjà? Eh ben super. Écoute, ouais, très bien, très content d'être ici, merci de me recevoir. Eh ben écoute, plaisir partagé, comme je t'expliquais avant qu'on démarre les caméras, le bassiste est une race parfois un petit peu farouche. Mais je suis toujours très content d'en attirer ici dans mes griffes acérées. Dis-moi Antonin, est-ce que tu as commencé directement la guitare ou directement la basse, ou t'es passé par la guitare? Ça a été quoi ton premier instrument? Alors je voulais commencer par la basse, mais on t'a empêché. Voilà, on m'a empêché. Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne Guitare pour accéder aux vidéos intégrales.